Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Il est 8h08, vous verrez mieux comme ça, voilà. Faut que je me dépêche parce que je dois partir dans 20 minutes, sinon je vais être grave en retard. Donc petit café, j'ai pas de petit déjeuner, j'en ai plus donc il faudra que j'en rachète. Petite compote, voilà, il n'y a pas grand chose à manger. Ah non, j'ai oublié par contre, excusez-moi. Oui, il est toujours périmé. Donc aujourd'hui le programme, il y a eu pas mal de choses à faire. Déjà j'ai un TD en stratégie, je pense qu'il va nous rendre enfin les contrôles peut-être, ou la semaine prochaine, je sais pas. Cindy passe à l'oral de stratégie, donc j'espère que ça va bien se passer pour elle. En strat, je vais essayer d'avancer un petit peu sur le projet de recherche, et donc après on se rejoint tous à 10h30, donc juste après mon TD, pour travailler un petit peu. Je sais pas si je repars, je pense pas, je pars partir à la maison. Et après j'ai contrôle d'anglais. Et juste après, j'ai ma présentation en recherche. Donc je sais pas si je pourrais vraiment beaucoup vous prendre aujourd'hui, mais en tout cas ce soir, on va voir les illuminations de Noël. Je sais pas, on va aller aux Galeries Lafayette, j'espère qu'ils ont fait des petites choses assez sympathiques. Donc voilà le programme, je me dépêche, je bois mon café, et normalement, on a tous fait un dress code, c'est de se mettre en violet, parce que le prof, c'est sa couleur préférée. Donc j'ai un pull violet, mais je crois qu'il y en a qui n'ont pas de pull violet. Et let's go écoutez, pour cette journée incroyable, allez! Par contre, la pleine lune, elle m'a eu hein, cette nuit. Hein. Je pense que vous le voyez à mes yeux. Je n'ai pas dormi du tout. Voilà, je suis éclatée. Voilà, je n'en peux plus. C'est une catastrophe. Et bien évidemment, j'ai mal à la gorge. C'est tout cadeau aujourd'hui. Regardez comment c'est beau. J'aime trop. Trop beau, il n'y a personne en plus. C'est trop beau, j'aime trop. Hey. Regardez comme c'est beau. Genre, là on monte un petit peu en étage. Et après on tombe sur ça. Oh, c'est trop beau. Et là aussi il y a une grande salle. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Waouh! Waouh! Ça, moi. Je sais. Putain. Ah ça par contre ça je peux le reprendre. Regardez comme c'est beau. Avec les livres anciens et tout, j'aime trop. C'est trop beau. Et là, c'est les travaux. Et là, c'est la cathédrale. La jeunesse fuck le FN. Super. Ni dieu ni mec. Incroyable. Elle est bien cette salle. C'est joli. Travail. C'est dur la vie, Paolo. C'est beau. Café gratuit, merci Paolo. Paolo il va sur YouTube. Pierre, bonjour. Vas-y, explique-nous. C'était joli, il y avait une mise en scène, une mise en scène de fou. Le prof adore le violet, donc la présentation en violet, magnifique. On avait deux potes. On n'a pas du tout parlé. C'était magnifique. Il a adoré notre présentation. Il a dit que c'était vous qui devez voter. Donc mettez 20 sur 20 dans les commentaires. Il a dit ça en plus. C'est vrai? Ouais, la communauté doit voter. Mettez-nous 20, s'il vous plaît. 20. On a besoin là. Il part lui. Enfin, on va tous partir là. On va avoir 20 les gars. 20 de moyenne. Il y a intérêt. Ouais, 20 de moyenne, vous nous votez 20. Hein. Thank you.
grave. Bon, il est 22h et quelques, je viens de rentrer du coup. Je vous ai montré un petit peu les décorations à Lafayette, c'était vraiment pas terrible. Je pensais pouvoir aussi avoir accès au grand sapin à l'intérieur, mais pas du tout. Je sais pas pourquoi on a pas pu, je pense que c'était fermé du coup. Vraiment moche, genre les décorations de Noël à Paris, c'est vraiment moche. Sinon, pour le résumé de cette journée, c'était un petit peu le rush, entre guillemets. Donc ce matin, j'ai eu donc stratégie, comme je vous ai dit. Ensuite, je suis restée à la fac. D'habitude, je reviens à la maison, mais là, je suis restée à la fac pour bosser un petit peu. Donc on a bossé notre présentation de ce soir avec tout le groupe. Et ensuite, après, pendant, je pense, 3 heures, j'ai bossé le montage de The Walking Dead. J'espère vraiment que je vais avoir de la place pour monter cette vidéo-là ce soir parce que mon ordi, là, il pète un câble. Là. Il n'y a plus de place sur le disque dur, c'est un bordel. Donc je galère énormément à monter les vidéos tous les soirs. Que ça prend trop de place. Et donc j'ai commencé à faire The Walking Dead, j'ai commencé à faire un petit peu l'intro, genre chercher des visus, des sons surtout, beaucoup de sons. Pour l'instant j'en suis satisfaite, c'est juste un brouillon, une base que j'ai fait, mais ça va pour l'instant, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait. En anglais on a une compréhension, alors en fait de base on avait le sujet entre guillemets, genre on savait sur quoi ça allait porter etc. Et c'est pas du tout tombé sur ça, et heureusement parce que le sujet qui était tombé avant, je n'y connaissais absolument rien, vraiment je n'y connaissais rien. Et là c'était sur les stratégies de McDo et Burger King. Je me suis dit mais c'est fait pour moi. On mange BK tous les vendredis. Putain j'ai tout déballé, hein. Oh, tout ce que je savais, j'ai tout déballé, vraiment c'est de la pure expérience. Bon je sais pas si mon anglais était vraiment incroyable parce que j'écris comme je parle, donc c'est pas incroyable non plus. J'espère que ça s'est bien passé, de toute façon j'espère avoir la moyenne avec lui, c'est très très bien, je serai contente. Et ensuite nous avons mangé Burger King du coup, j'ai pris des frites cheddar bacon, on a vite mangé parce qu'on avait les présentations à 19h. Et donc on était le troisième groupe à passer et ça s'est extrêmement bien passé. Donc j'étais sur l'iPad en fait en train de faire les dessins etc. Le prof il a adoré, il a dit c'est la première fois que je vois quelqu'un faire les dessins sur l'iPad. Donc avoir ces petites animations et tout, il a adoré le diapo. Il a vraiment kiffé, tout s'est très très bien passé. Donc ça c'est vraiment cool, et à la fin de notre diapo, notre présentation, on l'a vu vite fait. Il a dit c'est vraiment c'était génial et il m'a fait c'est toi la blogueuse. C'était trop mignon. J'ai dit oui c'est moi la blogueuse. Et du coup il m'a dit oh tu pourras mettre ça sur ton blog et tout. C'était trop chou. Donc je lui ai dit je mets ça sur ma chaîne YouTube, y a pas de souci. De toute façon vous avez vu le déroulé et tout, enfin je vous ai un petit peu montré. Et je lui ai dit regardez on s'est mis en violet et tout, on a fait ça en violet parce que je sais que c'est votre couleur préférée. Il m'a dit oui c'est trop mignon et tout. Il a dit j'adorais la fin du diapo avec sa tête avec la couronne, genre j'adore. Et il a vraiment adoré notre truc, il a trouvé ça vraiment génial. Donc en espérant qu'on ait une très bonne note. Et là maintenant il faut que je me focalise sur le projet personnel donc qu'on doit faire. On va le faire tous ensemble je pense mercredi avec d'autres gens pour essayer, voilà. Et je dois aussi me focaliser sur le big data. Voilà, il y a ça aussi, c'est assez important, ça va prendre beaucoup de temps. Et surtout je sais que mon ordi va pas tenir, genre ça va être saturé et du coup ça va m'énerver. Et je sais que ça va me prendre la tête. Mais voilà en tout cas pour ce soir, et après je suis allée voir les petites décorations vraiment vite fait. Et il y a vraiment pas grand chose, j'étais un peu déçue. Et voilà en tout cas tout s'est très très bien passé, je suis super contente. Et la qualité est horrible, regardez ça, oh là là. Oh, mais on n'a pas ouvert les calendriers de l'Avent. Oh là 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 là, sacrilège. Oh là là, bon, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Regardez l'envers du décor. Je n'ai pas rangé depuis hier. Du coup, pour My Muesli, j'ai reçu ça. C'est super bon, j'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a des petits morceaux de chocolat trop 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 sympathiques. Ensuite, j'ai reçu aussi ce petit chocolat, le Dark Choc.
Ils sont vraiment très bons, leurs chocolats. Je suis assez étonnée. Que les petits chocolats, j'ai de Bruges. Franchement, très très bien. Pour rituel, j'ai reçu ça, le rituel of Namasté. C'est une crème anti-âge. Il y a un chat dans un sac Primark. J'ai reçu ça de Mademoiselle Bio. C'est un masque crème de nuit pour de l'hydratation. J'aime beaucoup les trucs comme ça. C'est super important d'hydrater sa peau, surtout la nuit, parce que ça se régénère facilement. Pour YesStyle, je suis tombée sur ça. Vous trouvez pas ça trop mignon? Prince, arrête d'être tout le temps dans des sacs Primark. Si vous le verrez, je vais me faire rembourser, Prince. Je pense que t'es remboursable. Une petite crème, de ce que j'ai compris, parce que c'est marqué en japonais, donc j'ai un peu du mal. C'est une crème à l'avocat. J'adore le packaging, je trouve ça extrêmement kiki. Prince, arrête de faire du bruit, je n'en peux plus. Et pour typologie, j'ai reçu un savon à l'ortie bio. C'est un savon pour corps et visage. Alors je l'utiliserai pas pour le corps parce que vraiment ça pue. Mais pour le visage, ça peut être vraiment très purifiant. Et pourquoi il y a les guirlandes qui sont tombées tout à l'heure, mon chat? T'as joué dans le sapin? Oui, comme d'habitude. Regardez-moi ce chat. Ce gros matou. Je peux t'embêter un peu? Attaque de bisous? Donc pour le résumé de ma journée, j'ai passé une très bonne journée. Vraiment je me suis amusée, j'ai rigolé, ça ne marche plus derrière, ça me nique mon ambiance là. Voilà. Du coup j'ai vraiment bien rigolé, c'était super sympa aujourd'hui, tout le monde était sympa. On avait un autre master, du coup eux ils étaient vraiment trop gentils, trop drôles, ils sont vraiment adorables, on les aime beaucoup. Donc vraiment j'ai passé une très bonne journée. J'ai toujours pas eu mon duplicata de mon arrêt de travail, on m'a pas rappelé. C'est étonnant, pas du tout. Donc le programme de demain, je veux aller faire les magasins. Faut que j'aille à Truffaut dans tous les cas acheter de l'herbe à chat à Prince et aussi de la litière. Faut que je fasse un petit stock de litière quand même un minimum. Ensuite, j'aimerais bien aller à Action. Donc en fait demain ça va être vraiment une journée shopping de Noël. Voilà, n'hésitez pas à rester connecté et tout. Enfin on va faire le shopping de Noël. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc je vais vous laisser là, je suis vraiment très fatiguée parce que je n'ai pas dormi cette nuit. Je suis très fatiguée, je vais aller me reposer, je vais aller me laver, je vais aller me démaquiller, je vais faire le montage de la vidéo parce qu'il est déjà 22h45. Je sais que le montage de la vidéo va être long parce que je n'ai plus d'espace sur mon disque dur. Donc ça va m'énerver très fortement. Donc bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTF. Je vous fais une petite story tous les jours, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard, enfin à demain dans une prochaine vidéo.